Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, mais là, c'est pas de jeu vidéo, c'est pas de jeu de société, c'est comment je fais mes miniatures! Eh oui, vous m'avez posé la question à plusieurs reprises pour savoir, parce que avant, mes miniatures étaient... Alors, je vais vous montrer, mes miniatures étaient un peu comme ça. Voilà, là, ici, bon... J'avais pas trop vraiment de miniature. Et puis là, on voit que maintenant, voilà, il y a mon petit personnage. Voilà, comme là, les miniatures sont un peu mieux. Donc, en fait, ça va être très simple. J'utilise deux logiciels. Donc là, par contre, pour la bannière, je vous ferai une autre vidéo parce que j'utilise pas pareil pour la bannière. Donc, voilà. Alors, pour... Les miniatures. J'utilise un premier site qui s'appelle Remove. Bon, vous l'avez aussi en application si vous voulez. Je vous mettrai tous les liens dans la descriptive de la vidéo. Donc, vous avez le premier site Remove. Remove, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? En fait, je vais télécharger du coup une image. Par exemple, alors, je vais vous les montrer. Donc, par exemple, là, j'ai téléchargé une photo de Shredder. Donc oui, parce que ma prochaine vidéo, c'est les Tortues Ninja. Oh, j'ai fait ma première partie des Tortues Ninja. Oh là 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 là. Donc voilà, j'enlève tout le fond, en fait. Comme le fond vert. Donc j'enlève tout le fond de l'image. Et comme ça, je vais enregistrer sans le fond. Par exemple, mais par contre, des fois, donc s'il y a des petits trucs sur le côté, on peut quand même retoucher et faire, hop, effacer... Et utiliser même une petite brosse qui va permettre d'effacer. Là, je ne vais pas faire parce que je trouve que ça va bien. Ça fait un effet d'ombre. Je vais laisser comme ça. Donc, voilà. Après, vous arrivez, vous faites télécharger comme ça. Vous téléchargez votre photo. Donc, une fois que la photo, le fond est enlevé, donc je pars sur Canva. Canva, c'est mon logiciel où je vais faire les miniatures. Donc, là, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Après, vous allez donc vous connecter. Après, vous allez sur créer un design. Donc, du coup, moi, je vais souvent sur les vignettes YouTube pour faire les miniatures. Après, vous voyez, vous pouvez tout faire. Hein, CV, flyer, publication, Instagram, story Instagram, agenda, t-shirt, tout. Vous avez tout. Donc, moi, je vais sur Vignette YouTube. Donc, voilà. J'arrive là. Une fois que j'arrive sur cette page, donc Canva aussi, hein, vous l'avez aussi en application. C'est différent de l'utiliser sur ordinateur et de l'utiliser en application. Donc, si vous, jamais vous avez besoin et tout, je peux aussi faire une vidéo juste pour l'application de Canva. Donc, après, quand vous arrivez, par exemple, ici, vous avez modèle. Modèle, vous avez déjà des modèles, déjà prédéfinis. Donc, franchement, il n'y a rien de compliqué, du coup, avec le modèle. Vous arrivez, vous prenez un modèle qui vous plaît au niveau de tout la présentation, en sachant que même si ce n'est pas sur le thème que vous allez faire, ce n'est pas grave. Parce que, par exemple, je vais prendre un modèle, voilà, hop. Et, en fait, on peut tout changer. On peut changer les photos, l'arrière-plan. Là, on voit en arrière-plan, si je le veux en orange, je mets en orange. Si je le veux en bleu, je mets en bleu. En fait, vous pouvez changer l'arrière-plan. Vous allez sur importation, vous pourrez changer. Hop, moi, je vais mettre la photo, peut-être pas là, parce que là, on ne verra pas. Je vais la mettre là, voilà. Je vais revenir en arrière, par exemple. Hop. Vous voulez réduire, vous pouvez réduire les photos. Après, on peut même les déplacer. Là, vous pouvez changer le texte, changer la couleur d'écriture et tout. Vous pouvez changer comme vous voulez. Moi, je fais directement, donc je vais vous montrer. Je pars directement du principe que je commence à la base sans modèle. Voilà, comme là. Hop là, je vais enlever ça, voilà. Donc je pars sans modèle. Donc je vais importer
les photos que je veux utiliser. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre moi en train de combattre Shredder. Voilà. Et je vais rajouter aussi Shredder. Voilà. Je vais juste partir sur ces trois-là. Donc vous voyez, quand la photo, le fond est enlevé, ça fait un fond blanc. C'est tout simple. Donc je vais rajouter Shredder. Voilà. Donc là, j'ai mes photos directement. De là, hop, je prends déjà le fond que je place, que je mets en grand sur la totalité. Voilà. Hop là. Donc, je commence par le fond. Le fond, je le mets en transparence parce que il faut vraiment que ça reste enfin l'arrière-plan. Donc voilà, je mets en transparence. Je vais faire ressortir les parties que j'ai envie de faire ressortir. Donc voilà, on voit là le crâne d'être vénère. Après Shredder. Voilà, hop là. Je vais le descendre un peu. Je vais le faire un peu plus grand. Voilà. À la même taille à peu près que moi. Yeah. Là, moi contre Shredder. Je kiffe. Vous voyez, vous pouvez même, si jamais il y a besoin que la photo elle est prise à l'envers, hop, vous le retournez dans l'autre sens. Mais bon, je vais pas lui tourner le dos parce qu'il est capable de mettre un coup derrière le dos. Donc voilà. Alors, après, donc vous voyez, vous avez mis vos personnages, vous pouvez du coup ajouter un texte. Voilà. Moi, je vais rajouter un texte. Donc, pour le texte, vous avez des textes déjà prédéfinis, c'est pareil. Hein. Vous arrivez, vous changez. Moi, je vais juste prendre celui-ci. Hop, je vais le décaler, je vais le mettre un peu plus haut. J'aime bien, je vais le mettre, je fais pas souvent, mais je vais le mettre un peu en biais. Hop. Et je vais marquer que c'est ma première partie. Voilà. La première partie. Hop, je vais corriger. Voilà. Je vais alors, peut-être pas en noir. Je vais faire... vert, ça se verra peut-être pas trop. Alors, hop. Et là, ici, je peux agrandir. Voilà, je peux agrandir. Du coup, je vais changer aussi l'effet de mes lettres. Voilà, j'aime bien quand ça fait un petit effet comme ça. Après, donc là, vous voyez, vous avez pu. Pour ça, vous pouvez aller sur éléments. Éléments, en fait, ça va vous donner des petits trucs que vous pouvez rajouter, qui peut faire de la déco. Donc voilà. Je sais pas s'il y a box. Et je vais voir s'ils ont peut-être des comptes box ou un petit truc. Oui, ils ont des petits comptes box. Alors, je vais mettre. Hop. Alors, je vais voir si je peux les mettre dans mes points. Ça peut faire marrant. Hop là. Alors, je vais tourner. Voilà. Tac. Et je vais le réduire. Il aurait fallu... Non, je ne vais pas mettre les comptes box. Je sais ce que je vais mettre. Je vais faire un truc là. Vous allez voir. Allez. Hop. On va mettre. Je vais voir s'ils n'ont pas les petites étoiles. Vous savez, quand on est assommé au-dessus de la tête. Je vais prendre. Donc, quand vous voyez la petite couronne, c'est la version pro en fait. C'est la version qui est payante. Donc voilà, moi je vais mettre
petit. Des étoiles sur la tête à Shredder. Voilà, moi je t'ai assommé, je te dis. Donc voilà. Hop. Je lui mets des petites étoiles. Et voilà. Donc là, il a les petites étoiles, comme quoi il a été assommé. Alors, après, je vous ai montré pour ça. Je retourne. Vous avez des photos aussi. Vous pouvez mettre des photos. Moi, je mets aussi souvent mon logo. Alors, hop, je l'ai juste là en bas. J'ai préparé. Il est plus bas, il est là. Voilà. Hop. Non, il m'a pas mis le bon. Alors, c'est pas grave. Je vais recliquer. Voilà. Donc, je prends mon logo. Et j'aime bien le mettre en haut. Voilà. Mon petit logo pour finir. Après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes. Plus approfondi. Maintenant, je me prends pas trop la tête en fait sur les miniatures. Je vais vraiment au plus simple. Voilà. Une fois que vous avez fait votre miniature, ben vous avez plus qu'à la télécharger et à l'enregistrer. Voilà. Directement. Ben voilà pour cette petite vidéo de tuto. Comment je fais mes miniatures. Donc j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Sinon, si vous avez des questions ou des petits commentaires, n'hésitez pas à les écrire, comme ça je répondrai. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.